Je crois que je suis arrivé dans un serveur de Gueudin, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est un langage inconnu que je ne connais pas encore. Nous découvrons aujourd'hui un nouveau langage. Bienvenue sur la planète Mars. Ou sur Gmod Dark RP, comme vous voulez. Tu veux une arme? Appelle Yann Durand. J'huis dans la Noir. J'huis dans la... Y'a pas une faute là des fois? Hey, salut, salut, ça va bien? Aujourd'hui les gars, je me présente aux élections municipales. Je sais pas du tout ce que ça va donner. C'était l'ascenseur, c'était l'ascenseur. Même c'est l'ascenseur, même le Cyril, c'est l'ascenseur. Bonjour messieurs. Alors, une personne monte là. Ah, s'il vous plaît. Je vais vous aider, monsieur. Bonjour. Allez vite, montez. Yes, c'est bon. Mais en fait, moi, je voudrais me présenter aux élections municipales, parce que je compte bien être maire. Bah c'est moi, mais c'est con. Ah bah oui, merde, il y a le maire ici. Mais c'est pas grave, on peut refaire un petit vote. Mais non, il n'y a pas de vote ici. Si, c'est un vote, mais enfin, un vote bizarre, en fait. Ouais, c'est comment pour se présenter aux élections, en fait? T'attends que je sois mort, et puis t'attends, voilà. Ah, ok, d'accord. Et puis après, faut... Sinon, va vouloir vous tuer. Après, faut faire quoi, après? Mais il peut pas, il se tourne. Yeah. Après, tu vas dans le métier, puis tu me mères. Ah, ok, d'accord, yes. Bah, bien sûr que je peux tuer en tant que citoyen. Non, tu peux pas. En fait, t'es tout seul, donc tu peux pas, déjà, donc... On va se barrer d'ici, les gars, de toute façon... Y'a rien pour nous. Salut, les gars. Bonjour, je suis bonjour. Bah, allez, on se casse. Allez, je vais prendre un autre métier, du coup. Allez, je tente un vote pour faire agent de police, du coup. Y'a personne qui veut de moi en tant que maire, quoi. Je suis bloqué là. Allô? Ah bah ça y est, je suis reparti. Sauf que je suis remonté. Attendez, je vais regarder dans mon inventaire si j'ai pas un truc pour tuer le maire. C'est bon. Ça a marché? Ah, c'est bon. Bon, à ce que j'ai compris, j'ai pas le droit de le tuer en tant que citoyen en étant tout seul. Donc on va descendre bien gentiment. Salut, salut. Quelle belle révérence. Ah, je suis recoincé. C'est quoi ce délire? Tu peux me décoincer, s'il te plaît? Non. Au revoir. Ok, d'accord. Ah, yes. Un peu là. Merci bien. Bon, bah, visiblement, je suis pas le bienvenu ici. On veut pas que je fasse policier. On veut pas que je fasse maire. On veut pas que je bute le maire. Moi et mes collègues, nous faisons une loterie et il y a beaucoup de personnes chez nous. Vous misez 500 et vous pouvez gagner 50 000. Ah, je veux participer. Vous êtes intéressé? Ah oui. Bah, montez. J'ai fait le premier tour là. Là, je fais le deuxième tour là. Il y a beaucoup de personnes en haut dans la maison. Et il faut faire vite, hein, parce que... Ok, il y a d'accord. Plus que 5 places. Ok, moi, je monte. Misez 500 et on va faire un jeu du hasard. Et le jeu du hasard, celui qui gagne, eh ben, il va gagner 50 000. Monsieur, vous êtes intéressé pour une loterie? Je sens que ce jeu du hasard, c'est la roulette russe, je sais pas pourquoi. Manque plus que 3 personnes. Une loterie, monsieur organise une loterie pour 50 000 euros. Vous voulez une loterie? Et SDF, une loterie. Une loterie pour 50 000 euros. Montez, 50 000 euros la loterie. Il reste plus qu'une place, je préviens, il reste plus qu'une place pour la loterie. Ta gueule. C'est la dernière. C'est la dernière, les gars. C'est la dernière place. Allez. Tant pis pour vous. Wow. Ça sent l'arnaque à plein nez, je sais pas pourquoi. Dès que vous donnez au parrain... Ouais. Et ben vous allez en bas. Vous allez descendre en bas, et en bas, il y aura un jeu du hasard. C'est 3 petits paquets, vous devez trouver la boule. Mais ok, ça marche. La boule et qui trouve la boule jaune... Ouais. Il va gagner 50 000 euros. 50 000 euros. La boule jaune est très rare. La boule jaune est très rare. Si vous voulez repasser, vous repassez. Ok. Mais je vous assure que vous allez trouver les 50 000 euros. Hein. Ça pue l'arnaque, je sais pas pourquoi, mais j'y vais quand même. Parce que moi, je suis un aventurier. Ok. Non, les gars, revenez. Reviens ici. J'y volerai sa bagnole plus tard. Allez, oh, reviens ici, là. Bonjour. Qui bouge-tu, toi? Bonjour, je viens pour la loterie des 50 000 euros. Ah bah t'as gagné le gros lot. Ah. Je crois que j'ai gagné le gros lot. Allez. Là. Ah les gars, je le savais. Ah, c'est sûr, tu peux descendre s'il te plaît. On a gagné le gros lot. Très gentil, ça fait plaisir. Ah, on m'avait promis un don de 50 000 euros. Ah ouais, putain. Un peu mon vœu.
Il va avec le ton collègue. Toi aussi tu t'es fait avoir pour la loterie? Bah oui monsieur. Non non moi j'étais pas là. Mais en même temps des mafieux qui proposent une loterie faut toujours se méfier. C'est pas faux. Bon, c'est pas tout mais faut surveiller deux secondes. On a encore un. Toi aussi tu t'es fait avoir par la loterie? Ah non t'es le parrain toi. Eh vous avez les otages? Ils sont où les autres otages? J'ai ramené plein d'otages, ils sont où? Va ta place toi. T'as hein chier, tu bouges pas. Les gars je sortirai bien mon AK-47. Non. Mon dieu vous avez tué un otage. Bah c'est normal. Ça, j'avais pas pris dans le printemps, go admin, vas-y. On peut s'arranger ouais, messieurs, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on appelle la police, qui vous livre un camion plein d'argent? Ouais, je veux 3 millions de dollars. Vous voulez des 3 millions de dollars? Ah oui, vous êtes un peu gourmand quand même, monsieur. Des quoi? Des Twix? Des bitch, des putes quoi. Ah, je croyais que tu voulais des Twix, comme des sneakers ou des Mars, tu vois. Ouais, tu veux aussi. Ouais, des Smarties. Comment qu'on peut s'arranger? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, monsieur? Tu donnes 2 millions de dollars et vous repartez juste avec 2-3 balles dans le corps. Ah, 2 millions de dollars, je les ai pas les 2 millions de dollars. J'ai à peine 50 balles sur moi. C'est ça, tu veux faire quoi les 50 balles? Ou je te mets une balle? On a pas bougé. Pas d'argent, pas d'argent. Si lui, il a bougé, ce petit négueux. Moi, je bouge pas, je suis très coopératif. Enculé, enculé. 400, tu te fous de ma gueule? C'est une folle ma gueule, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait les gars? On tente de se barrer ou quoi? Je suis un fou! Non, non, on va se faire chuter, c'est mort. Je suis calme. Vous avez donné de l'argent ou pas? Monsieur, oui, vous faites chanson! Je vous fais une chanson! Avec des claquettes de Ritano! Eh, monsieur, monsieur. Ritano, mon cœur qui bat sous ma peau! Mais ta gueule, tu t'es pas choqué! Je voulais lui mettre juste une balle. Et bien maintenant, je vais dire à tout le monde que la loterie c'est de l'arnaque. Ritano, Ritano, mon cœur qui bat sous ma peau. Je crois qu'on a perdu à la loterie. Hein. Oh putain, le revoilà. Je vous suis. Non, non, je me ferai pas avoir deux fois à la loterie. Top donateur, Howard Chester, le meilleur 10 000. De une des trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Headshot, madame Paquin! Yes! Tu peux jouer à la loterie? 50 000 euros à gagner! Eh, moi j'ai joué tout à l'heure, j'ai perdu donc ça va, j'y retourne pas! Bon, allez, déposez-moi là où vous voulez! Bah, venez monsieur le médecin, on a besoin de vous! Allez-y, monsieur le médecin, tout à l'heure j'ai gagné 50 000 euros! Je les ai gagnés! Ça va bien se passer! Ouais. Bon courage! Oh, il est mort lui! Oh, comment qu'il est mort? Regardez ça! Eh mec, tu veux tuer quelqu'un? Ouais, je veux tuer quelqu'un, ouais. Est-ce qu'on peut se voir dans un coin? Eh ben, viens faire un tour, rassure. Si tu veux, je crois que je suis pas sûr, hein. Mais je pense qu'il y a des mafieux qui organisent des loteries clandestines dans les quartiers riches. Mafieux... Ah, Dylan DJ! Ouais, lui c'est un mafieux. Je t'ai donné un contrat. Sur Dylan DJ. Ok, je vais voir ce que eh j'ai. Eh, Jean Mouloud, je vais voir que... On s'est jamais vu, d'accord? Hein? Tu me connais pas. Ok? On se connaît pas. Ok, ça marche. Ciao. Regardez, on va le suivre. Je vais l'escorter tout doucement. On va faire l'espion tranquillement. Qu'est-ce qu'il fait? Il est parti à la banque. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'on fait? On y pique sa bagnole? Vas-y, j'y pique sa bagnole, les gars. Oh merde! Merde! Elle est morte! Oh putain, elle est morte! On se casse! J'ai plus d'énergie! Faut que je trouve un custo! Merde! Et par contre, c'était pas voulu, je voulais pas y péter sa bagnole! Au début j'étais parti pour la voler et demander une rançon. Je vais me mettre dans un coin, je vais appeler un custo. Tiens, je vais me mettre en prison. Je serai en sécurité. Hugo Dumont. On appelle Hugo Dumont les gars. Allez, on l'appelle. On va commander une petite pizza. Tranquillement. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô, monsieur Hugo Dumont? Oui, tout à fait, monsieur. Oui, bonjour, je cherche un peu à manger. Vous serez pas dans le coin des fois? Taco Bell, monsieur. Taco Bell? Très bien. Oui. Oh, Taco Bell! J'arrive tout de suite. Ouais, d'accord, c'est ça, monsieur. À tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Des bisous. On va essayer d'aller au Taco Bell dans cet état.
Franchement, je suis pas sûr d'y arriver. Je sais pas si l'autre à qui j'ai volé la bagnole, il m'a vu. Mais à mon avis, s'il m'a vu, il va m'en vouloir. En même temps, moi, ça m'arrive ça, je lâche pas l'affaire. Oh, regardez-le. Oh, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Passe-partout. Qu'il est méchant. Bon, on y arrive. J'arrive tout doucement au Taco Bell. Bonjour, non, monsieur. Monsieur, je vous laisse payer. Je vous laisse mettre l'argent ici, monsieur. C'est bon. Voilà, je vous cherche ça, monsieur. Alors, un échec. Merci. Elle est bien grosse, la commande du monsieur. Voilà, merci monsieur. Beaucoup, bonne journée. Au suivant. Bonjour, bonjour. C'est moi qui vous... Bonjour, monsieur. C'est moi qui vous ai appelé au téléphone. Ouais. Donc, en fait, je suis en sale état, là. Quoi ? Oh, au moins, je pense, au moins deux pizzas, je pense. Deux pizzas ? Deux pizzas. Monsieur, dans vraiment sale état, vraiment très, très sale ou... Sale. Très très sale. Alors je vous conseille pas la pizza monsieur, je vous conseille plutôt la spécialité de la maison, les lasagnes. Ah alors donnez-moi la spécialité de la maison alors. Spécialité maison, c'est parti. Lasagne. 40$ aussi monsieur. 40$, ça marche. Monsieur rapprochez-moi l'argent s'il vous plaît parce que je peux pas l'attraper d'ici, j'ai un petit bras. Voilà, je vous mets ça. Impeccable. Yes. Ah monsieur. Ah je... il m'en refaudrait oui, encore une part. Il m'en refaudrait encore une part. Tenez, encore lasagne. Ah, je tenais encore. Ouais, de toute façon, monsieur, je m'étais trompé, donc quand je me trompe, je rembourse les clients. Voilà. Allez, une petite à 40$. 20$. 20$, ça marche, 20$. Pas de péter, ça part en couille encore la thune. Je fais péter comme... les billets. Péter en billets violets. Ah, bah ça va beaucoup mieux là. Ça va beaucoup mieux. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir, au revoir. Oh, attendez. Ah non, non, ouais. Bon, c'est sa bagnole, on va éviter d'y. D'y piquer. Bon, voilà une belle voiture. Salut. Salut Ketrix. Mais quoi ? Je bouge plus. Tu bouges plus, tu bouges plus, tu bouges plus. Oh, ok, ok. Bouge plus. Ok les gars. Ah, viens. Tu vas drop 500 maintenant. Je préfère mourir en guerrier. Non, non, RP t'as pas le droit. RP t'as pas le droit. Ouais, ouais, ouais. Si tu fais RP, tu es obligé de donner l'argent, t'as pas le droit. Sinon tout le monde ferait ça, mec. Ouais. Vas-y, je prends l'argent. On va faire. Si tu peux... Je t'ai dit 500, c'est le maximum. Ouais, 500. Oh, excellent. Bon bah voilà les gars, voilà, on est tous morts. Et eh ben c'est bon, tout le monde est content. Et eh ben voilà, on est tous morts les gars. Voilà, alors vous êtes contents comme ça? Monsieur Jean Mouloud, monsieur Jean Mouloud. Monsieur Jean Mouloud. Vous vous souvenez de moi, je vous ai donné un petit taf tout à l'heure, vous vous souvenez de moi? Bah en fait, je suis rentré. Ouais. J'en ai tué un au pif, mais au final, ils m'ont tué en fait. Ils m'ont mis en autre, ils m'ont tué après. Écoute, je te redonne un petit taf, ça te va? Et plus chez les mafieux, hein, sinon j'ai encore me faire buter. Ok, je t'en donne un autre, Tiens, lui, tu le tues et tu dis j'en peux plus, te salue. C'est comme ça, les gars. C'est un gangster, t'inquiète pas, c'est une lopette.